Les recherches se poursuivent dans la forêt de Picocelle. Depuis mardi, 30 gendarmes renforcés par des maîtres chiens quadrillent cette région désertique et boisée située aux confins de l'Ariège et de l'Aude, entre Bélesta, Puyvert et Espesel. Des recherches compliquées par la neige et la topographie de cette zone difficile d'accès, refuge des maquisards en 1943. Pour l'instant, aucune trace de Christophe Orza, 43 ans, domicilié depuis peu à Mirepoix en Ariège ni de sa fille Célia, 18 ans, étudiante à Toulouse. Alloa, ah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'affaire Christophe et Célia Orsey, les disparus de Mirepoix. C'est un double assassinat, qualifié de particulièrement odieux et insoutenable, qui a remué la petite commune tranquille et sans histoire de Mirepoix, dans l'Ariège, ce 30 novembre 2017. Mirepoix est une petite bastide médiévale bien connue et surtout très prisée des amateurs de vieilles pierres et d'histoire, située à une heure à peine au sud de Toulouse. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du pays d'Aulme, au lieu de la tragédie Qatar alliant des paysages d'une grande diversité. Mirepoix est une commune rurale qui compte 3114 habitants en 2020. Elle appartient à l'unité urbaine de Mirepoix. Ses habitants sont appelés les Mirapiciens ou Mirapiciennes. Mais faisons un retour sur les faits. Ce jour-là, Christophe Orsay, natif de Bourgoin-Jailleux dans l'Ain, jardinier paysagiste de métier, âgé de 46 ans, installé à Mirepoix depuis 2012, a été violemment assassiné devant sa fille Célia, qui, en tant que victime collatérale, sera également tuée par un couple a priori sans histoire. Ils sont appelés à comparaître à la fin de l'année 2023 devant la cour d'assises de l'Ariège à Foix. Christophe Orsay avait très vite fait la connaissance en arrivant dans la région de Marie-Josée Sinos, infirmière à Levalané, à quelques kilomètres de là. Une grande histoire d'amour était née, mais hélas, comme cela arrive quelquefois, l'idylle tourne très vite court. Et de disputes en fâcherie, le couple se sépare, après avoir déposé chacun plusieurs plaintes contre l'autre. Il est acté, dès le début de l'enquête, que les deux sont bien séparés ce jour dramatique du 30 novembre 2017, et que Marie-Josée s'est rapprochée d'un certain Jean-Paul Vidal, qu'elle connaissait par ailleurs. Ce dernier est mécanicien et accessoirement cascadeur à Bellesta. Le décor est déjà planté d'une relation triangulaire qui ne peut que mal finir, emportée par les élans excessifs des deux derniers protagonistes. Ce jour là, Célia, toute jeune infirmière, sollicite son père Christophe pour qu'il la conduise à la gare de Pamiers. En effet, elle doit rejoindre son petit ami à Toulouse en empruntant un train régional. Tous deux y sont inscrits comme étudiants jusque-là rien que de très banal. Mais pendant le trajet allé, le père reçoit un appel semblant provenir, pense-t-il du moins, d'un client potentiel. Comme il a besoin de travailler et que l'opportunité semble belle, il fait un petit détour sans tarder. Et c'est à partir de ce moment-là que le drame va se jouer. Implacable et inéluctable. Les enquêteurs savent avec certitude que Celia ne montera jamais dans ce train se dirigeant vers Toulouse et que le petit ami, inquiet, donnera très vite l'alerte. L'enquête ouverte pour disparition inquiétante d'un père et de sa fille est ouverte avec au départ assez peu d'éléments concrets. Le lendemain, le véhicule de Christophe Orsay, un Renault Kangoo qui, dans le cadre de cette disparition inquiétante, avait été signalé au fichier des véhicules recherchés, est découvert entièrement carbonisé et abandonné sur un chemin forestier de l'Aude, en bordure de montagne, à près de 40 km de son domicile demi-repoids. Mais aucune trace du conducteur, Christophe, ni de sa fille Célia, supposée se trouver à bord la veille. Très vite, au vu de quelques premiers renseignements troublants recueillis lors de l'enquête de voisinage et d'environnement des victimes supposées, et qui laissent hélas présager du pire, les enquêteurs de la section de la gendarmerie de Toulouse, Haute-Garonne, en appui des gendarmes du département de l'Ariège, creusent plus en avant la piste de l'ancienne compagne de la victime, Marie-Josée Montessinos, âgée de 57 ans et de son nouveau conjoint Jean-Paul Vidal, âgé lui de 49 ans. Celle-ci n'a jamais vraiment digéré la séparation avec Christophe, séparation intervenue quelques mois auparavant. Déjà ce climat délétère et pesant de menaces, de plaintes réciproques déposées, de harcèlement subi par Christophe Orsas, laisse augurer d'une fin tragique mais les soupçons et les éléments convergents étaient une chose. Il reste maintenant à matérialiser les faits, de façon à pouvoir confondre, le moment venu, les deux protagonistes. Au hameau isolé et retiré de Rieufort-Camp, Situé sur la commune de Bellesta, sur les lieux de ce rendez-vous qu'il croyait au départ être professionnel mais qui est en fait un véritable traquenard, Christophe Orset est très violemment pris à partie d'entrée et sans jamais pouvoir s'expliquer par un homme qu'il ne connaît pas mais qui s'avérera être Jean Paul Vidal et son ancienne compagne, qui le frappe à coups de barre de fer, le bat à mort et le jette entravé au moyen de colliers de serra. Dans une fosse sceptique d'une ferme abandonnée en pleine campagne, loin de toute habitation et de tout secours. L'autopsie pratiquée après la découverte du corps démontrera qu'il a été jeté vivant et encore conscient dans cette fosse où, finalement, faute d'aide et de secours, il succombera. Le plan des deux amants diaboliques, qui devait se dérouler sans accroc, est cependant fortement contrarié par la présence de la jeune Célia, présence à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Et fatalement, elle aussi devenue tout à coup un témoin gênant, doit disparaître. C'est d'une logique implacable. Elle est attachée, emmenée de force dans une forêt, la forêt de Picocel, située à une dizaine de kilomètres de là, tout près de la commune de Puyvert, limitrophe du département de l'Aude. Là, sans hésiter, elle est tuée d'une balle dans la tête par Jean-Paul Vidal, l'exécuteur et l'homme de main de Marie-Josée Montesinos, et est ensuite enterrée sur place par les deux protagonistes. Pourtant, le 1er décembre 2017, soit quelques heures à peine après cette macabre expédition punitive, les deux amants déclareront s'être retrouvés ensemble au lac de Montebelle pour brûler leurs vêtements personnels et les téléphones à cartes prépayées qu'ils avaient été nécessaires au macabre traquenard de la veille. Un petit bûcher qui n'a jamais été vraiment localisé. Tout comme l'arme du crime jetée peu après mais qui n'a jamais pu être retrouvée. L'enquête menée par les gendarmes de la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse et ceux du groupement de gendarmerie de l'Ariège sera, comme tant d'autres, titanesque. Les moyens engagés, les recherches entreprises, les analyses faites, le travail de fourmis entrepris, sur tous les détails de la vie des deux tourtereaux, aussi infimes soient-ils, seront colossaux. Les analyses post-mortem du corps extrait de la sinistre fosse septique, six mois plus tard, seront très longues et très minutieuses, ne laissant rien au hasard. D'ailleurs, ce seront elles qui perdront en partie par la suite les deux protagonistes par leurs résultats scientifiques glaçants mais imparables. Les amants diaboliques seront finalement interpellés et placés en garde à vue le 11 juin 2018 soit six mois après les faits tragiques, en même temps que deux autres personnes. Ils n'opposeront pas grande résistance, reconnaîtront les faits, du moins en ce qui concerne Jean Paul Vidal, instigateur principal des coups mortels portés, et finiront très vite par indiquer les lieux où ils se sont débarrassés des corps, de leurs deux victimes, à Bélesta, pour le père, dans cette fosse sceptique abandonnée, repérée à l'avance, et dans la forêt de Picassé, loin de tout, en limite des deux départements de l'Ariège et de l'Aude, pour Célia. Jean-Paul Vidal se montrera plutôt coopératif, et voyant que les faits le dépassent largement, et indiquera dans une première version avoir été largement manipulé par Marie-Josée elle aurait attendu qu'il soit prêt à la satisfaire. Car elle nourrit sans cesse un fort désir absolu de vengeance envers Christophe Orcé. Elle veut absolument lui faire payer la séparation douloureuse pour elle et injuste, dira-t-elle sans arrêt, séparation qu'elle lui impute à lui seul, après quatre ans de vie commune. Il est vrai que le profil psychologique de Marie-Josée nous paraît comme complexe et particulièrement difficile à cerner. Tous ses anciens amants et toutes ses connaissances la décriront comme très intolérante, perverse et manipulatrice. L'exagération ne peut manifestement pas être totale ni être le pur produit de l'imagination. Il appartient désormais au juge d'instruction du parquet de tirer les fils de cet écheveau complexe pour savoir qui dit vrai et qui ment. Car aucun mobile clair ne se dégage vraiment des dires des deux protagonistes. Même si Marie-Josée, vexée et ayant mal vécu leur séparation, ne peut pas nier le dénigrement constant et perpétuel qu'elle a exercé sur son ancien compagnon Christophe, allant jusqu'à produire des faux pour le faire licencier, tant sa rancœur et son ressenti envers lui étaient nourris. Toujours est-il, que le 14 juin 2018, à l'issue de leur garde à vue et de leur présentation devant un juge d'instruction, le juge Fabrice Rive du pôle criminel de Toulouse, les deux amants sont finalement mis en examen pour assassinat et meurtre commis en cocumitance avec un autre crime et écroué. Il subsiste peu de doutes quant à leur implication, chacun en ce qui le concerne. Dans cette affaire sordide et glaciale qui a longtemps défrayé l'histoire d'une vallée ariégeoise, tranquille et sans histoire. Jean-Paul Vidal a reconnu les faits, et, sans surprise, son témoignage corrobore justement ces faits, tragiques, tels qu'ils se sont déroulés. Il apparaît peu à peu comme un homme banal, manipulé, baladé même, dira son conseil. Par une femme qui peut apparaître comme étant particulièrement retors et machiavélique. Quant à Marie-Josée, elle affirme toujours haut et fort, et à qui veut l'entendre, que cela devait juste être pour donner une leçon à Christophe, soit. Mais il faudra tenter de convaincre les juges et les jurés, notamment pour la préparation minutieuse des faits, l'acquisition d'armes et de téléphones dédiés, le repérage précis des lieux, Amorcé lui aussi quelques jours seulement avant l'exécution. L'abominable fin réservée ensuite à sa fille Célia, victime collatérale, bien innocente, et tenter encore d'expliquer l'horreur du crime commis sur Christophe, jeté vivant, conscient, en tout cas, dans cette fosse sinistre. C'est la fin de cette horrible affaire. J'espère vraiment du fond du cœur qu'ils ne sortiront jamais de prison, et même pire. Je souhaite énormément de courage à la famille de Christophe ainsi que celle de Célia et j'espère qu'un jour justice sera faite et correctement. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.